Pauline, MAPR6, bientôt maman, elle dévoile la date de sa grossesse et fait une grande révélation. 2022 aura été comme des montagnes russes pour Pauline et Damien, l'un des couples phares révélés au grand public grâce à la saison 6 de Mariés au premier regard. Entre l'infirmière et le concessionnaire automobile, le coup de foudre a été une évidence dès leur premier regard. La suite de leur aventure confirme qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Les fidèles de l'émission découvrent amusés et stupéfaits que leurs appartements respectifs sont ni plus ni moins que des miroirs l'un de l'autre. Quant à la poisse légendaire de Pauline, elle ne trouve son équivalent que chez Damien. De quoi faire perdre leur sourire aux amoureux qui cassent des douches, ratent des avions ou sont pris au cœur de fusillade? Que nenni! Les amoureux gardent le sourire, continuent d'écrire leur histoire et construisent leur nid. Car Pauline et Damien sont tenaillés par le désir de fonder une famille. En début d'année, les coups durs s'enchaînent pourtant pour le couple. Pauline fait deux fausses couches qui lui minent le moral. Elle décide de quitter momentanément les réseaux sociaux avant de revenir pour envoyer quelques cartes postales du Mexique où le couple s'est envolé pour ses premières vraies vacances. Ce 24 décembre, les tourtereaux sont apparus très émus sur Instagram avec un joli cadeau pour les abonnés, « Nous allons bientôt être trois », ont annoncé Damien et Pauline après une émouvante vidéo dans laquelle le couple retraçait son parcours. De la solitude du célibat à leur rencontre dans l'émission. Ce 26 décembre, Pauline a accepté de répondre à la multitude de questions de ses abonnés. La future maman a confessé que si leur bébé était une petite fille, le prénom était déjà trouvé, c'est moi qui l'ai suggéré à Damien. Il l'a aimé tout de suite, a-t-elle déclaré. Pour un garçon en revanche, les négociations âpres semblent encore en cours, nous ne sommes pas du tout d'accord, a-t-elle révélé. Et quant à la date de naissance, la soignante a été d'une précision diabolique, le bébé est prévu pour début juin. Entre le 9 et le 13, mon terme étant le 13 juin. Ce sera un gémeau. Je suis enceinte de 4 mois, a indiqué la jolie brune qui a précisé que le bébé était mexicain. L'air de Tulum a donc, semble-t-il, fait le plus grand bien aux amoureux qui ont donc ramené en France un passager clandestin. Eh, caramba!